Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve ce soir, ce jeudi soir, pour la suite de Carto, deuxième épisode. Et bonsoir, Kemler, heureux. Deuxième et, je pense, dernière partie de Carto, vu du nombre de chapitres qu'il y a au total, et que j'ai déjà fait. J'ai fait la première session il y a 2 semaines, donc j'essaie de me rappeler de toutes les mécaniques. Le micro, ok. Le son du jeu, ok. Bah c'est parti. Je me rappelle même plus de quoi je suis sorti juste avant. Si je suis bien sorti quelque chose. Ok. Comme disait ça, effectivement, c'était... Bon, je retournais en arrière. Peut-être mettre le son du jeu à fond. Il est pas très fort. Hop. Ok. Je sortais d'un temple. Bateau. Bateau de Shianan. Shianan, et elle ne doit pas être loin. Ouais, donc, du coup, j'ai rapproché tout ça. Pivoter, c'était quoi? C'était ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petite grotte, une cabane. Aucune raison de retourner dans la forêt pour le moment. Ah. Donc c'était ce qu'il y avait avant. Ah oui, c'est lui qui m'avait donné les bottes. Oui, le bibliothécaire. Ah. Carto. Oh, c'est mignon. Ça m'a inquiété de ne pas te voir à notre point de rendez-vous. Mais tu as l'air d'avoir vécu une véritable aventure. Conservateur m'a raconté que tu étais passé par ici en partant vers le désert. Est-ce que tu as trouvé des indices sur ta grand-mère? Oh, je suis désolé. Ce n'est qu'une question de temps. Elle doit te chercher avec tout autant d'ardeur que toi. Elle laisse des messages un peu partout que je peux lire. Me chercher, je pense pas. Ah, toi aussi, tu as senti le sol vibrer. Je croyais que j'avais du mal à digérer mon déjeuner, jusqu'à qu'un livre me tombe dessus. Ça doit être le volcan qui a fait des siennes. Les éruptions sont très impressionnantes. Ici, elle se remplit d'une fumée noire parcourue de braises oranges, comme des flocons de neige brûlante. Carto, cette fumée pourrait empêcher ta grand-mère de voler correctement. Je me demande si tu pourrais trouver un moyen de la prévenir. Ça vaut le coup d'essayer. Super! Je parie qu'il y a des indices dans la salle du volcan. On s'y retrouve! Quelle impatience! Malheureusement, la salle du volcan est perdue depuis quelque temps. Le chalet est parfois imprévisible. Il arrive que certaines pièces disparaissent sans prévenir. J'aimerais tant retourner un jour... Ah! Un jour... J'aimerais tant retourner un jour retourner au dernier étage. Ouais! What? Parfait! Papy, tu redotes. Et Relorex. Ah, ne fais pas attention à moi, un vieil homme qui rêve à haute voix, à voix haute. Enfin bref, je ne peux pas vraiment t'aider à trouver la salle du volcan. Cela dit, je trouve généralement ce que je cherche après avoir lu assez de livres. Ah, je vais refaire la même chose que la dernière fois. Quel meilleur endroit où chercher? Et ce livre-là me racontait ce que je faisais moi. La petite cartographe, ouais. Petite cartographe qui cherchait sa grand-mère dans le désert n'avait trouvé que poussière. Mais une nouvelle question brûlante se posait désormais. Comment prévenir sa grand-mère que le volcan était sur le point d'entrer en éruption? Mais d'abord, il lui fallait un moyen de s'y rendre. Bien. Non. Je plus trop vite. Ok. La dernière fois, j'avais lu les livres et à un moment, j'avais une indication de comment les placer. Horreur au chalet compteur. Ce chalet est maudit, je vous le dis. En explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant. Là où l'on aurait dû trouver le numéro de l'étage. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier où je me suis rendu compte que l'étage précédent et suivant n'était pas numéroté non plus. J'ai découvert à ces étages inconnus
des pièces que je n'avais jamais vues. Et j'ai fui, absolument terrifié. Je ne remettrai jamais les pieds dans cet endroit maudit. Alors, j'ai pas de point d'interrogation. Ni de numérotation d'étage. J'ai pas encore de référence logique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Les chercheuses d'eau jouissaient d'un grand respect au sein de leur tribu, car elles étaient responsables de la survie de leur peuple. Le vaillant groupe s'aventurait parfois très loin de son foyer pour trouver de nouvelles sources d'eau. Ah oui, c'est ce qu'on avait croisé dans le désert. Pour les aider dans leurs recherches, leur sens était grandement accoutumé aux conditions du désert. Lorsqu'elle trouvait une nouvelle source d'eau, la tribu entière la rejoignait à dos de chameau. Ok, donc ça c'était juste mon histoire. Et donc je dois comprendre que c'est ce livre d'ailleurs que je peux relire. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? En explorant les couloirs lumineux, tomber sur un point d'interrogation. Là, on aurait dû trouver le numéro de l'étage. Bon. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier où je me suis rendu compte que l'étage précédent... On pourrait dire du dessous. Et suivant n'était pas numéroté non plus. J'ai découvert à ces étages inconnus des pièces que je n'avais pas. Alors, est-ce qu'il y a un point d'interrogation quelque part? Non, que je le vois pas. On va commencer à déplacer tout ça. Ok. Ok, je... sais pas. Avec son vert compagnon et sa grosse barbe touffue, le messager Yennor fut choisi comme 255e gardien. Yennor et son vert parcourent les bois sauvages des décennies durant, deux amis loyaux, grands protecteurs de la mer. Hélas, un moineau intrépide s'empara un jour du vert qui se reposait sur l'épaule de Yennor, laissant le gardien seul parmi les arbres pour le reste de sa garde. Cependant, les innombrables descendants du ver de Yennor continuent à ce jour de ramper sous nos pieds, nourrissant de la terre et toujours prêts à apporter leur aide. Et je pensais que c'était l'histoire du nouveau gardien, mais non, pas du tout. À mesure que la mer grandissait, ses racines se répandaient à travers la forêt et bien au-delà. Elle suivait des chemins secrets qui menaient à des terres distantes partout dans le monde. Ces chemins cachés aux yeux de tous ne se révélaient qu'aux explorateurs les plus intrépides. Seuls les arbres savaient comment y accéder, et ils n'étaient pas du genre bavard. Bizarre cette maison, ouais. Je ne sais pas si... Étage ? Ok. Je ne sais pas si c'est par pure chance que je débloque ça, ou ça arrive à chaque fois. Nesh... Ah, mais bah, y a les autres gardes. Des années avant de devenir le 256e gardien, Nesh est... Et petite Nesh, imberbe, était un petit Nesh imberbe. Nesh avait du mal à se faire des amis et passait le plus clair de son temps explorer seul la forêt. Un après-midi fatidique, Nesh suivit le son d'un ululement triste et rencontra un jeune hibou pris dans un piège. Nesh libéra l'oiseau, démantela le piège et en fit une civière pour transporter l'hibou jusqu'à qu'il soit guéri. Depuis ce jour, Nesh et son compagnon hibou sont inséparables et veillent désormais ensemble sur la mer. Pas d'un point d'interrogation pour l'instant. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je pense avoir trouvé quelque chose! Bah attends, je lis le livre. Les vulcanologues sont en désaccord sur l'exactitude et la validité scientifique du calendrier volcanique. Les défenseurs du calendrier avancent qu'il a été un outil d'organisation essentielle pour d'innombrables générations.
Les opposants rétorquent qu'il n'en est rien de plus qu'une collection de gribouillages absurdes gravés autrefois sur un mur par un vagabond perdu. Quoi qu'il en soit, les habitants du volcan semblent toujours parvenir à éviter la catastrophe. Qu'ils s'y attendent ou non. J'ai commencé à croire que je ne trouverais jamais la salle du volcan. Et soudain, je suis tombé dessus par hasard. Moi aussi. Quel bâtiment étrange. Enfin bref. Je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans ce livre. Regarde. Le volcan est une grande destination touristique, du fait de son climat tempéré et de ses stations thermales mondialement connues. Les visiteurs peuvent prendre le temps de la gravir à pied plusieurs jours, ou espérer pouvoir chevaucher l'une des chèvres dociles qui habitent la montagne. Cependant, les chemins qui vous mèneront le plus vite au sommet du volcan sont cachés dans la forêt, si vous êtes capable de les trouver. On dirait qu'il est possible d'accéder au volcan en passant par la forêt. Je suis sûr que tu trouveras le chemin, s'il existe. Personne au monde ne s'oriente mieux que toi. Oh! Tu veux que je t'accompagne? J'aurais peur de te ralentir. Ça m'embête qu'on se sépare à nouveau, mais... Le temps presse, et tu trouves toujours très vite ton chemin. Vas-y sans moi, je vais rester ici et faire quelques travaux en recherchant... Recherche en attendant. Mais du coup, j'ai... J'ai vraiment résolu l'énigme de ce truc sans le vouloir ? Ça me paraît tellement... improbable. Ok. Bon bah. Je crois que j'ai eu un coup de chance. Monsieur le corbeau. Oula, je suis revenu en arrière. Hashtag doute. Ah, petite tête. Et plaisir de te voir, la meilleure exploratrice de ces bois inconnus. Et chanceuse. Si, un peu. Nous avons besoin de ton aide. Nous nous retrouvons plus Nesh. Enfin, le nouveau gardien. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à l'appeler comme ça. Nip et son vautour tentent de le repérer depuis l'un des grands arbres. Ils ont peut-être vu quelque chose d'intéressant. Mais ça les arbres avant. Quoi chercher, gardien? Nesh, absent. Mais vautour, voix. Nord, est, la mer. Vite. Nord, est, la mer. Et la mer, elle est au centre, là? Un arbre de taille moyenne dont les feuilles brillent d'un éclat étrange mais familier. Ah, ok, je déplace tout. Nord-est. Mais au nord-est de tout? Comme ça? Nord-est. Arbre-mer. Jolie botte. Alors bah je l'ai mis au nord-est hein, mais il peut peut-être plus au nord-est là. J'ai pas tout fouillé d'ailleurs sur ce truc là. Ça fait en haut à gauche. Marrant ces arbres qui se déplacent. Mmh.
non, c'est pas l'arbre mère qui devait y être, mais moi qui devais y être au nord-est. Non. Je dois mettre quelque chose au nord-est. Fragment, c'était croix. Neige est si content de te revoir. Même si Neige se cachait. Et pourquoi? Il avait besoin d'une pause, à force de surveiller la croissance de la mère. Elle prend son temps, et elle ne dit jamais rien. C'est un arbre. Raconte tes aventures à Neige. As-tu visité d'autres forêts? Rencontré quelqu'un qui aime observer les arbres? Quelqu'un qui cherche un travail? Le volcan? Neige y allait une fois, quand il était petit. À ce du chemin. Peut-être que Neige peut demander au bois sauvage. L'ancien gardien a pris un peu de... a appris un peu de la langue des arbres à Neige. Si les arbres parlent visiblement. Le bois sauvage a dit, il parle d'un arbre, d'un barde, dans sa maison. Incroyable. Neige ne parle pas encore très bien la langue. On dirait qu'il dit un arbre à des démangeaisons. Qui sait ce que ça veut dire? Tu pourrais peut-être l'aider à se gratter? Neige te fait un dessin pour t'aider. Chemin le haut de l'arbre peut-être aussi. Bon. Neige suppose qu'il est temps de rejoindre la mer. Tout le monde peut arrêter de chercher Neige. On s'y retrouve. Non, votre disparition n'est pas normale, monsieur. On se retrouve à l'arbre mer. C'est quoi ça? Une pierre brisée portant un symbole incomplet. La mère n'a pas fâché Neige pour son absence. Elle s'est montrée très compréhensive. As-tu trouvé l'arbre à gratter? Il est sûrement très similaire au dessin de Neige. Really? Celui-là? Qu'on a comme arbre. Ah, ok, il est là. Un petit trou derrière l'arbre bloqué par des branches épaisses. Elles ont l'air de gratter. Impossible d'écarter les branches qui bloquent le trou. Elles sont trop lourdes pour toi. Trop lourdes pour moi. Quelqu'un de fort? Corbeau, y a pas un... Il y en avait un avec son ours aussi, je crois. Ah non, je peux pas retourner pour voir ce qui se passe derrière. Oh, dommage quand même. Tu vas m'aider, toi? Hein? Ah! Les cendres tombent. Et elle noircit. L'air tremblante. Non, je ne peux pas t'emmener. Mais le chemin existe, oui. Qu'est-ce qui peut me donner de la force? Ah oui, tiens, on voit bien les yeux. Lourde pour toi. En secret, bottes magiques, amulettes. Le message. Y a pas d'objet utilisable.
Qu'est-ce qui est en rapport avec la force? Je suis en train de faire apparaître des trucs qui ne sont pas très utiles. Je pense direct à l'ours, mais je sais plus où il est le... Bah non, t'as pas beaucoup de force, toi. Grâce à ton aide, j'imagine... Je savais bien que nous pouvions compter sur toi. Et... qu'est-ce que c'est que ça? Un dessin de Nesh? Disons qu'il compense son manque de talent artistique par... son discours à la troisième personne. Cet arbre ne me dit rien, mais tu devrais demander à... Elerab. Il est au bord de la rivière. Jugé par ce dessin, tu as retrouvé Nesh. J'aimerais bien t'aider mais à trouver cette arme, mais j'ai pas encore assez puisé d'eau. Oh, donc je suis très fort. Même si mon ami l'ours est encore plus. Mais ne lui répète pas, ou il n'arrêtera jamais de me narguer. Si tu as besoin de bras forts, mon ours et moi sommes là. Tu dois finir de puiser l'eau, mais... Il est en train de manger avec l'ancien gardien près du feu de camp. Alors si tu veux plus d'eau, techniquement, on va en rajouter, hein. J'ai ramené le feu de camp aussi. Et je me suis foutu... Content de te revoir, ma petite. La forêt n'est plus la même depuis ton départ. J'ai passé le flambeau, mais ma vie a du mal à reprendre sa course. Bon. Pas toi, boule de poil. Mais bon. Ours. Ah, ours. Ok. Mais bon. Nesh a besoin d'enseignement et j'apprécie la compagnie des animaux. Le volcan ? Cet endroit est dangereux, petite. Cependant, si tu désires vraiment t'y rendre, je crois qu'il existe un tunnel souterrain. Les racines de la mer se répandent loin et relient des endroits inattendus. C'est pour ça que le nouveau gardien te fait courir partout? Ça n'a aucun sens à mes yeux, mais bon, qu'est-ce que j'en sais? T'es l'ancien gardien, tu sais tout. Je ne suis plus que l'ancien gardien à présent. Bah oui, je ne comprends pas ce que font les jeunes. Ah! Donc c'est bien l'ours! Merci! Une inscription, mais il fait trop sombre pour la lire. Alors j'ai pas de lampe torche, il y en a une là. Je peux récupérer le feu. Mais c'est... Cinq, la montagne est en vie.
Bon, je peux pas les réteindre, donc c'est pas lié au nombre de flambeaux que j'aurais allumé. Cinq, la montagne est en vie. Alors j'en ai que 4. Ah, ok. Non. 1. 2. C'est le nombre de flambeaux qu'il y a en tout. 3. Et le 5 va apparaître. Ok. En harmonie avec les bois.